C'est le fils Gepetto. Ok, donc il avait un ami qui s'appelait Roméo. Le Roméo, je l'ai tué. Un combat assez chaud d'ailleurs. Hi, are you training to be a stalker too? Let's practice together. Call me Lampwick. Lampwick, je vois pas qui c'est. Je vois pas qui c'est Lampwick. Alors je vais aller où je suis les cadavres hein, les gars. Hein. On va suivre les cadavres. He didn't even come to your graduation. I don't care if an old man like that kicks the bucket. Don't say that. It's nice you got any family at all. Ok. J'ai l'impression que c'est le fils de Gepetto avec Roméo. Je pense hein. Please teach me how to use a sword. You're a legendary stalker. Quoi, c'est expatrice? Gemini. Gemini, on m'avait dit qu'il avait une. Il était pas ce qu'il paraissait être au début du jeu. J'aimerais bien savoir si c'est une petite enflure, si c'est. Je crois que lui aussi il a oublié son passé. On va voir, on va découvrir ça. Regarde si tu oublies rien derrière, tu vois. C'est un désert sans fin. Est-ce que je suis dans les entrailles du temps? Il y a une créature là-bas. Il y a deux corps ici. J'ai peur d'avoir oublié des trucs dans le désert, mais le problème c'est que tu peux pas trop le savoir en fait. C'est rouge là, c'est un combat. Oh, le gosse est mort. I'm sorry. I was too late. I wish I got here sooner. If I had known this would happen. Ah mais c'est Roméo, il a dû péter un plomb et il a tué le gosse, non, c'est pas ça. C'est plutôt de la chaleur. Okay. Ok. Alors montez. Il n'y a rien monté là. Hein. Il y a des monstres en face, mais... On trouve de l'abbaye de l'Arc. Ah! On va essayer de récupérer tous les objets. On va mourir, hein, 100%, mais on va juste récupérer les objets en priorité. Okay.
pyramide en fait, vilain. Pas me laisser tranquille là. Ah, malaisant, malaisant, vous êtes malaisant, laissez-moi tranquille. Bah non, je peux les esquiver, je passe à droite, c'est bon. Hein. Je voulais juste prendre les objets au milieu, on les a pris, donc maintenant on va les esquiver. Hein. Bah tiens, il y a un objet là. C'est très stylé l'endroit, ça change vraiment de décor. Hein. On passe de Bloodborne à Tomb Raider là. Il m'a vu, fait chier. Hein. Faire, c'est trouver un autre feu de camp. Ah. Donc là il y a un boss déjà. On dirait Bane. Fusionné avec autre chose. Barre-toi le scorpion là. Ah ouais mais si je meurs c'est trop chiant le chemin. Y a vraiment pas un feu de camp là dans le coin? Tomb Raider, bah non. Oh, je jouerai Tomb Raider. Ouais, est-ce que je jouerai à Tomb Raider? Il y a beaucoup trop de jeux à faire là. Le scorpion, je crois que c'est des élites quand même, faut que je les fasse. Je les fasse quand même.
Ok, on a nettoyé un peu la pyramide. J'ai juste tué lui là pour pas qu'il me dérange. Voilà. Vas-y, on va essayer de tuer un scorpion. Bon, je risque de mourir. Mais on va tenter. Ah. Ah voilà. Ma one shot. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Alors. Là, on va essayer de tuer les scorpions. Ça va être mon objectif. Le combat est facile, tu tournes en rond et tu le tues en fait. Ah, bon, à part c'est quand il fait ça, mais. Pas grand chose hein, malheureusement hein. Genre la portée. Son pote qui arrive, fait chier. Non, je me bats pas s'il y a ton pote. S'il y a ton pote, je me bats pas. S'il y a ton pote, je me bats pas. Quand on en a V1, il y a pas de V2 ici. Il y a pas de V1. Non. S'il y a ton pote, je joue pas. Par contre, ton pote, tu peux venir. C'est bon, maintenant on peut combattre. Viens là. Ville gredin. Potion. Ah.
sûr, j'avais plus de potions. Ah, on va voir s'il respawn. S'il respawn, on se casse. Et s'il respawn pas, faut que je tue le deuxième scorpion. Tout dépend de si le deuxième me respawn ou pas. Si ça respawn, ça dégage. Hein. On va voir. Non, ça respawn pas. Ok. Donc je vais tuer le deuxième scorpion. Le problème, c'est qu'il faut que je tue ces mecs là à chaque fois là. J'ai pas la bonne main comme d'habitude. Ok, c'est bon, respawnera plus. Et maintenant il faut attendre le petit boss là. Je sais pas si c'est vraiment un gros boss ou pas. On verra. Il y a juste ce chien là à tuer. Voilà. Et on y va. Alors je connais pas le boss, je sais pas ce qu'il fait, on va voir. Mais je sais pas si c'est un vrai boss ou c'est un mini boss. Il est juste là. Ça m'a l'air d'être un vrai boss. Ah ouais, sentinelle de la porte. Moi, ouais, il prend pas de dégâts. On doit y avoir une mécanique. Doit y avoir une mécanique, peut-être le faire tomber ou quoi. Mais bah, il prend pas de dégâts. Genre, y a pas de dégâts, genre. C'est bizarre. Le chemin par contre est très long aussi. Le chemin est long. Ils ont pas mis de feu de camp entre les deux. Je vais prendre la main, je pense aussi. Prendre la main. C'est giga long, hein. Putain, c'est giga loin. Il n'y a pas de raccourci, malheureusement. On doit y avoir une mécanique, parce que je peux viser les jambes, donc il doit y avoir une mécanique avec la jambe de gauche.
pense que c'est ça. Hein. Truc, regarde. Voilà. Ah oui, d'accord. Facile d'un coup. Non, j'étais tellement bien parti. Ouais, en fait, faut le faire tomber deux fois et après tu le tues. Oh, ça va, c'est facile. Je vais prendre le katana pour t'aller plus vite, je pense, non? Il m'a one shot, mais ça, je pense, c'est un boss très très facile quand t'as de la vie. Bon, moi, quand je me fais one shot, bah, je me fais one shot, mais un grand Goliath, ouais, il est grand. Il est grand, il est grand. Mais il est pas dur, hein. À part s'il y a une P2, je pense pas. Je pense que c'est juste un petit boss pour la porte. Je pense qu'ils ont juste mis ce petit mec devant la porte, histoire d'eux, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a un chien à côté de lui. Et ça me pète les couilles. C'est bon, j'ai réussi à aller brain. J'ai réussi à les brain. Il y a un anneau, faut que j'enlève. C'est celui-là. Faut que je mette celui-là à la place. Let's go! Le talon d'Achille hein, en vrai hein. Regardez le talon d'Achille hein. Oh, il m'a fait un truc là. Dommage. Dommage, dommage, j'ai ma one shot encore une fois. Mais il est pas dur. Hein. Il est pas dur.
Le plus dur, c'est le chemin. Il met 10 ans à aller jusqu'à lui. Bon, j'ai remarqué que je tapais quand même beaucoup, beaucoup plus fort avec l'autre arme. Genre là, je le mets mid-life si je le stun avec ça. Donc je pense que c'est mieux. Là, je tape moins vite, certes, mais bon. Et si je passe par la gauche, est-ce que... Non, la gauche esquive pas le chien. Esquive pas le lien à gauche. Ah. Point, point, point. Ah, c'est chiant qu'ils aient mis deux mecs là quand même. Je vais prendre la main qui grabe. C'est trop chiant de pas l'avoir. Trop chiant de pas l'avoir la main. Il grabe. Pour les deux là, c'est mieux d'avoir la main qui grabe, je pense. Aïe aïe aïe. Allez. Let's go. Je sais pas si la foot c'est le meilleur truc mais... Ah c'est chaud les timings. Pouette, on fait chemin, je vais changer mon bras, bras. Alors, changer le bras. Ah, j'ai eu un quartz. D'ailleurs, il faut que je dépense. Il faut que je dépense le quartz. Du coup, je vais gagner un truc. Avec le quartz, je vais gagner un anneau en plus. Si je meurs, je retourne à l'hôtel et je dépense mon quartz. D'ailleurs, j'ai un quartz à acheter chez le marchand, je crois aussi. Pouette. Let's go. Alors, hello, mister.